ces dames vont arriver devant vous. Ok, doucement, doucement. Très bien. 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 Attendez, 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 attendez. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, on va maintenant passer au vote final. Et nous allons dire déjà que vous êtes super bien habillés tous. Moi, je suis juste en or parce qu'on m'a dit le Ghana c'est la Gold Coast. I'm dressed in gold because I've been told that Ghana. Pour moi, comme historien, c'était d'abord la liberté parce que c'est l'un des premiers pays d'Afrique à avoir pu visiter. Tout à l'heure, il y a eu un petit quiz historique, mais le plus important à dire, c'est que c'est un peuple fier et que le royaume du Ghana, pour tous les historiens, on sait que c'est un peuple fier. Un des peuples qui a conquis sa liberté en premier. Je voudrais aussi que vous applaudissiez quand même votre ambassadrice, parce que je suis beaucoup votre ambassadrice qui est là. Je suis beaucoup de concours d'élection de Miss et des ambassadeurs.